Arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Eh, y'a plus petit peu, c'est vrai qu'on a une nouvelle vidéo sur Clash Royale, les gars. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous présenter un petit deck, les gars. Avant que la vidéo commence, les gars, je tiens à excuser pour mon activité de la savoir prendre. Voilà. On va partir sur un deck ladder, les gars, qui est celui-ci. Tout simplement, c'est un deck MK Cochon Royaux qui m'était présenté par un ami. Le mec a fait 8K avec ça, son dernier, donc plutôt clean. Ouais, je vais sur ladder, les gars. D'ailleurs, je vais commencer une nouvelle série demain. De la nouvelle série où je vais faire un road to top 1000. En gros, où je vais jouer sur mon gros compte, je vais faire 3 games par vidéo avec mon deck ladder, et puis voilà, tout simplement. Et on peut atteindre cette première game. Donc ça, c'est l'épisode avant le road to top 1000. Je fais 3 games par vidéo, et si je regarde la fin de saison, genre une semaine avant, bah. Ah, yes. Ah, ouais. Ah, nice le ladder, hein. Let's go, hein. Bref, je disais, du coup, si je vois qu'il manque trop de trophées, genre je suis trop en galère pour faire le top 1000, et ben bah, simplement, je vais tout simplement rush en live et puis en vidéo, je veux dire. Et puis voilà, donc j'espère que ça va vous plaire et n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à s'abonner à chez le petit pouce bleu et puis voilà. Et je vous ai pas présenté le deck du coup. Alors bah, nous avons le MK pour tous des pops, nous avons le cochon qui vient d'augmenter, donc ils sont très forts. Le bûcheron en tant que DPS, le dragon pour tout ce qui est aérien, ou les mass blancs, c'est un truc compliqué. Bon, du coup, c'est qu'est-ce que les couilles à spam? Une petite foot pour aller des pop, genre les bâtiments, etc., comme tour à bombe, comme c'était rejoué. Enfin, comme c'est rejoué, etc., puis voilà. Le frère, nous joue quoi? Il y a un joueur deck assez chelou, là, un peu, hein, c'est du MK qui avait baigné spam. D'accord. C'est du bruit spam, quoi. Tiens. On avance sur le MK qui va se faire des pop. Voilà, parfait, le MK qui va sauter. Nickel. Parfait. Et là il n'y a plus d'élixir, donc on peut tout simplement partir à les Hogs avec. Voilà, c'est nickel. Là, on va juste aller mettre une petite snowball. Ouais, il y a une masquette, je pense que c'est mieux. La masquette est beaucoup mieux, je pense, pour défendre. Ah, les cochons qui mettent énormément de dégâts. Hein. Les cochons sont qui deviennent très très forts. Et là, bah, ils ont détruit une tour en fait, littéralement. Et là, il n'y a plus d'essai pour contrôler un squelette. Ça va faire mal encore une fois, il va prendre très cher. Nous, on a ce qu'il faut pour défendre la voleuse. Et puis voilà. Après, il spawn comme un débile. Hein. Il sait vraiment pas jouer, ce mec. Ok. Hop. Je pense qu'on va aller mettre juste la snowball pour défendre. Bah, je pense qu'on va juste faire ça. Je pense que c'est bien parce que vu le recul de la snowball, wow, c'est un truc de dingue comme c'est trop fort, genre. Là, je pense que je vais aller split les Halouf. Merde, j'ai mis clic, putain, je voulais pas faire ça. Quel poulet. Ah, bah, du coup, il a free MK. Bon, là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une food. Voilà, typiquement pour ça, on va mettre les bats déjà pour que ça focus les bats. Là, j'ai bien évidemment les food. Hop, voilà, nickel. Voilà, comme ça, il n'a plus rien. On peut tranquillement mettre un bébé dragon. On va aller mettre l'armée squelette, bien évidemment. On va aller mettre une petite snowball ici. Hop, voilà, parfait. Voilà, nickel, la défense qui est plutôt clean. Il a recyclé sous MK, donc on va mettre la Halouf ici. On va mettre les balles sur le côté pour mettre une pression. Voilà, nickel. Allez, je vais sous MK. Là, il y a droite, il va devoir défendre. Il met une snowball. Je pense que je vais mettre le bûcheron. Et pas le MK. Le gars, je vais essayer de le garder un petit peu quand même, ce serait pas mal. Ce serait vraiment bien si j'avais gardé le MK. Voilà, nickel. Voilà, typiquement pour ça. Est-ce qu'il ferait chaud snowball ou pas? Non, ok, on va aller juste mettre une snowball. Ok, il a un poison, très bien. On va aller mettre le bébé dragon ici. Je pense qu'on va aller re-split ça. Un petit peu. Est-ce qu'il y a besoin de poisson en vie? Parfait. Hop. Petite pression, comme ça. Il me l'aime casser, c'est parfait. Il a plus de méga chevalier. Je pense qu'on va par contre mettre le MK au milieu là. On va essayer de pas prendre trop de risques. Hop, là, on va aller remettre l'armée squelette. Est-ce qu'il ferait chaud snowball? Toujours pas. Ah, s'il l'a pris. Ok, il l'a mis cette fois-ci. On va aller mettre le bûcheron. On va essayer de dévier de prendre trop de dégâts. L'MK qui appartient à droite. Donc, on va pas défendre. C'est inutile. Là, on a une très belle foudre. Ah, j'ai une merde. Oh, quel bouffon. Ah, c'est bon, j'ai pas raté ma foudre. Je crois que j'ai pas raté ma foudre. C'est bon. On va aller mettre les boîtes, ça. On a le MK ici pour. Ah, je savais qu'il allait faire ça. On va douter un petit peu, on va vite mettre dans sa boule pour éviter de prendre trop cher.
Et là, bah là, je pense vous connaissez la suite, c'est-à-dire je mets ça. De toute façon, la fois ça finit, non? Vous avez contre 380, ça finit. Effectivement, elle a une petite foudre ici pour aller prendre cette tour et prendre cette première ligne qui n'était pas évident. Bon, le mec au début a joué comme un débile, et du coup ça m'a permis de gagner tout simplement. Donc ça fait plaisir, première win de remporter. On part dans cette deuxième game, les gars. Allez, on trick. Ok, on a une plutôt bonne main de départ, je pense. Je pense que juste je voulais battre son map. J'aime bien faire ça pour ce qu'il joue en fait. Est-ce qu'il a un sort ou pas? S'il met rien, ok, bah là c'est parfait, ça, les bases vont défendre. J'ai pas su en contre-push avec la Hanouf. Voilà, c'est au bol dans tous les cas. Ok, le Bubu. Oh, gel, ok, j'aurais pas du snowball. Oh, je pensais pas qu'elle allait mettre un gel. Je pense juste, en vrai, j'ai un gars dans ma main. De ce moment, je joue un ballon, ça c'est très problématique ça. Ouais, ballon, j'ai pas un bon match-up. Hein. Ballon, j'ai pas un bon match-up. De toute façon, on a recyclé les bases déjà. Donc ça devrait. Normalement, on devrait pas prendre de coups. Bon, bah, on a quand même pris un coup, yes. Un plaisir. Ah, le ballon qui a pas ça touché directement. Ok, bon. Je pense qu'on va cycler les bûcherons au fond de map tranquillement. On va voir ce qui nous met à ça. Bouliste. Bah écoutez, on va partir à Halouf. Hein. Il y a quoi pour le fond de Halouf? Il y a le bûcheron. Ok. Ça c'est relou ça. Et là le problème c'est que je sais pas comment défendre le bûcheron. Parce que je vais dire mes squelettes là. Hop. Et je bûcherai au snowball, c'est ça? Mais le snowball je vais la garder pour le ballon. Au pire on peut assumer quelques dégâts parce qu'on a quand même pris cher ici. Ouais c'est chill. C'est chill. Là c'est vrai qu'on a mis autant de dégâts de deux côtés, donc on va pouvoir simplement push de deux côtés, donc split les Halouf. Et ça c'est pas mal ça. Bah ouais, je vais battre ça, écoutez, je pense. Non, j'ai pas envie de battre. Bon. Et là, le problème c'est si pas en bûcheron ballon, bah j'ai ma foudre et ma snowball hein, écoutez. Mettre le bubu. Écoutez, on va foudre, hein. Écoutez, j'ai pas trop le choix. Ouais, j'ai panique là, ouais, j'ai un peu panique. Oh. Ok, le bûcheron qui a gratté à droite, ça c'est pas trop mal. On va pouvoir poser un MK à fond de map. On va pouvoir poser un MK à fond de map, il n'a plus de ballon. Hop, c'est parti. Ok, nickel, ça c'est pas mal qui me semble maintenant. Je pense qu'on va essayer d'aller dépop ça le plus vite possible, hein, voilà. Là on a la foudre. Ouais, on a la foudre, c'est parfait. Ah voilà, nickel. Là on va avoir une vague de foudre du coup. Allez, comme ça. Hop. Ok, là il n'y a plus rien normalement. Là c'est la merde pour lui. Hein. Là il a des vieux défauts de bûcheron. Il a cyclé son bûcheron. Ok, ça va, il a cyclé son bouliste. Ça va, en vrai. On a mis pas mal de dégâts. Là la défense va être complexe. On a la foudre en vrai. En fait, ça va, on a la foudre. Je pense que ce qu'il fait super chier, c'est mon MK. Genre mon MK va le faire super chier. Là, on a encore une fois une belle value de foudre. On va se faire comme ça, on va essayer de se le surprendre. Oh, parfait. Ah, le pair shot, bah c'est GG hein. C'est le GG, on a bien pré shot. En fait, de base je pensais qu'il allait mettre son bouliste, mais il a préféré mettre son bûcheron, bah du coup j'ai un pré shot et on a win la game. Le mec était pas mauvais en vrai, ouais bon le mec était vraiment pas mauvais. Et lui par contre, lui il a fait top 2 millions. Ok, yes. Super. Ouais, j'ai osé son score, je m'en bats un peu les couilles. Allez, c'est parti les gars, on part sur cette dernière game de la vidéo, les gars, contre Betts. Ouais, là, j'ai pas une bonne main de départ, ainsi que les Bats. Tombstone, c'est sûrement du Molos. Alors, le Molos, c'est vraiment un des pires match-up. J'ai juste seulement BB Dragon pour défendre et des Bats. Donc, si la zap zap avec genre une MG, j'y lose, quoi. Et là, ce moment, c'est vraiment la merde, quoi. Parce que je suis juste snowball. Est-ce que comme ça peut passer ou pas? Ouais, ça passe. Ce que je voulais faire. Ouais, là, le problème, c'est que je vais te faire un truc comme ça. Je vais en mettre une grosse pression. Là, c'est la... Bah là, il va devoir... Ok, ça, il pose une boule de feu. Les disques qui vont pas mal gratter. Et du coup, il a plus de boule de feu. Ça, c'est pas mal. On peut aller poser les bats tranquillement ici. On va dépeupler le molos. Il a un gant. On va aller mettre le bûcheron pour essayer de les protéger un maximum mes bats. Parfait. Exactement ce que je veux. On a la snowball en tous les cas pour défendre.
Voilà, typiquement ça. Et là, c'est le moment où c'est la merde. Oh là, oh la basse. Oh, les deux basses qui restent en vie, elles vont me sauver là. Oh, let's go, les deux basses. Et donc, c'était un peu forcé là, je trouve. Y a un mec qui n'est plus grand chose pendant l'escouade, donc on peut essayer de la poser au pont. On va voir comment il défend ça. Ok, avec un bébé dragon, c'est bien joué de sa part. Et les squelettes qui vont. Ah, les squelettes qui vont gratter quand même. Ils vont bien gratter. Bébé dragon, là. En vrai, je vais tenter un truc. Je vais tenter un truc. Et merde, il y a sa boule de feu. Ouais, en vrai, j'ai pas le défendre, vas-y. Attends qu'il reparte Molos et je perds MK au pont. Ok, Thompson, c'est bien joué. Vas-y, je perds MK. Est-ce qu'il perd Molos? Ouais, il perd Molos. Il sait pas que j'ai la foudre, donc si l'un des deux il est dans la merde, et là je pense que je vais mettre les bats au pont. Genre avec le MK. Ouais, je pense que la meilleure solution c'est faire ça au cas où l'un des deux. Voilà, si, je le savais, mais c'était sûr. Hein. Est-ce que j'étais obligé d'avoir un des deux? Le mec de la snowball en espérant que ça tue. Nickel, ça tue. Ok, ça c'est pas mal. On a l'armée squelette dans tous les cas. L'armée squelette qui a fait un gros taf. Ok, qui va les bob tout ça. Le dragon qui va totalement léger le molosse. Ok, il y a sa boule de feu. Oh, bah là, ta boule de feu, bah alors. Là, MK au pont. Là, par contre, on rigole plus. MK au pont. Le problème, encore une fois, ce sont des deux. Ce sont des deux qui est super chiant, genre. Bon, là, du coup, c'est un peu inutile. Et le problème, c'est qu'il a sa boule de feu. Ok, il y a un cas qui saute, c'est pas mal, un dernier coup. Ouah, nickel. Ok. Attendez, là, on a une belle voie de foudre. On va quand même aller la prendre. Peut-être, est-ce que si on fait ça, même si boule de feu, je sais qu'il va l'avoir, va sa volée de boule de feu. Mais du coup, il n'aura pas assez pour. Comment ça s'appelle? Non, en tous les cas, c'est. Ouais, match-up compliqué. Match-up très compliqué, le Molosse. Ouais, non, match-up trop compliqué, Molosse. C'est impossible. Allez, quatrième game, les gars. Quatrième game. Ok. Ok, on met le but. Oh, encore, mais c'est pas possible. Bah ouais, mais c'est une boule de feu, je suis obligé de faire ça parce que s'il y a une boule de feu, j'ai loose. Alors, ça c'était planté, genre ça par contre. Ouais, ça c'est. Mais non, il y a le bûcheron. Hein. Il est fou. Là, il a plus d'Elex. Le bûcheron qui va faire. Qui va. Il dépop tout le bûcheron. Le bûcheron, il le découpe là. Hein. Ouais, Molos first play, frérot, vraiment, bon. Voilà, je pense qu'il le sait qu'il a loose. Hein. Ouais, il force. Ouais. Ouais, non, frérot, non, non, ouais, bah non. Yes, but no, frérot, là, là, non. Bon, ok, bon, moi, j'ai gagné. Bon, lui, c'est un débile. Hein, Lui, tu vois, c'est si t'as pas l'abonnement de départ, bah, t'as loose, en fait. Bah, voilà, il a fait 6-6, c'est normal. Et évidemment qu'il n'arrive pas à gagner. Hop. Allez, on part dans cette dernière game de la vidéo, les gars. Contre Skipper. On va essayer de la gagner pour monter quand même à 6-4-3, ce serait pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? 6-4-3, c'est pas mal. On met les bats. Mais c'est pas. Non, mais. Non, mais les gars, mais s'il vous plaît. Je dis que moi là, c'est le pire match-là. Je me trappe triple malaise d'affilée, genre vraiment là. Ah ouais, mais frère, mais c'est quoi ma luck là? Ah mais d'accord mes frères, mais c'est trop. Eh mais je défends comment là? Mais là j'ai le 12 là. Et son barbare elle est impossible à win. Ouais d'accord. Ouais d'accord, on met ce qui est au pont. Mais les bats c'est. Je mets une bébé dragon, c'est ça? Ok, ah ça c'est pas mal, il n'y a plus de flèches. Il manque plus qu'il a un zap quoi. Ok. C'est pas trop mal. C'est plutôt pas mal. Si des deux meurent, c'est parfait. Et là, maintenant qu'il a plus d'élixir, on peut aller à Hadouf. Parce que là, il va mettre la tour à 1000 HP à peu près. Ouais, non, 1005. Et là, on va juste aller snowball pour mettre un maximum de dégâts en fait. Là, faut juste que j'oline là. Ouais, nickel. Bon, on met plus de dégâts, on a l'avantage. C'est plutôt pas mal ça. Là, on est vraiment bien. C'est faux. On n'est pas bien du tout. Ah, vas-y, mes frères, Manuk. Ah, vas-y, me lance au pont, frère.
Là, parce que là, elles sont D2 là, le problème c'est ça, c'est qu'elles sont D2. Ça, même si le lit il perd ce tour en tous les cas. Ok, bah il laisse la tour. Ah, ça c'est pas mal. Oh, bon, la connerie qu'il vient de faire là. Ah, c'était pas intelligent ça par contre. Voilà, on a la snowball pour tout défendre. Ouais, nickel, il a ses effets de chasse, ok. But, j'ai ma snowball. Voilà, la défense qui va être clean normalement. Ouais, bon. À peu près clean, quoi. Bon, après, on a un avantage, hein. Là, on a la tour de droite. Je pense qu'il y avait de la pression, mais qu'il mette un molosse. Tu sais, il a rien pour défendre, mais hello, Fabien. Là, je pense qu'il y a moyen jusqu'à une belle food. Ah, il y a ses barbares. Alors, là, ce qui est bien, c'est que, regardez. C'est que là, je vais mettre ça. Il va se mettre un molosse au pont en se croyant fort, là. On va d'abord aller faire ça. Voilà, nickel, comme ça. Voilà, ça, c'était obligé qu'il fasse ça. Donc, là, on va juste MK. Voilà. Là, on va aller mettre un meilleur snowball. Comme ça, MK, il aura le temps de se barrer. Et le D2 il va défocus. Là, on va aller mettre juste ma meilleure food. Non. Voilà, bon, malheureusement, on termine. Ah, ça, c'est la merde, ça. Ah, ça, c'est vraiment la merde, par contre. Et le problème, c'est que là, s'il a un zap, bah, c'est la merde. Oh là là, mais il fout spam, c'est terrible. Ok, on a le dragon pour l'instant qui fait le taf. Hein. Le dragon qui fout carte carry pour l'instant. Par contre, non. Le D2, frère. Ouais, mais D2, stop. Calme-toi. Est-ce que je me concentre 2 secondes là? Ah, bien la win, celle-là. Ouais, d'accord. Ok, mec. Ah, d'accord, ok. Yes, le spam, hein. Un plaisir de jouer à ça, hein. Le mec, il a 2 de QI, bordel, frère. Il a 2 de QI, le mec. Il a 2 de QI. Il a 2 de QI, juste 2 de QI, mec. Il a 2 de QI, fils de pute. Oh là là, mais gros, mais c'est trop. Mais triple molosse, les gars, triple molosse. Genre, triple molosse. Et le mec, il a 6K4 de record, gros. Qu'est-ce qu'il fout là? Bon, bref, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Hashtag unlucky. Et puis, c'est vrai coup. À une prochaine. Ciao.